Bonjour tout le monde. Je suis contente de vous revoir une deuxième fois en peu de temps. Ce matin, on a eu notre conseil d'administration, le CA de la RTM. Et on a donc pu adopter le plan de relance là, qui en lien avec le transport collectif, évidemment. Alors, j'ai la proposition. Je pense qu'on a tous beaucoup de choses à faire, mais je vais quand même prendre le temps de vous lire ce dont il est question. On a seulement un point à l'ordre du jour. Ah, d'ailleurs, j'aurais besoin d'adopter l'ordre du jour, n'est-ce pas? Est-ce que je peux avoir un proposeur et un appuyeur? Guillaume Tremblay. Rappenant. Guillaume Tremblay comme proposeur et comme appuyeur? Rappenant. Monsieur Giovanni Rappenant, parfait. Alors, notre seul point à l'ordre du jour concerne la COVID-19 et le transport collectif. Alors voilà, je vous le dis, on choisira le proposeur et l'appuyeur. Il est résolu d'intégrer au document COVID-19 mesures pour maintenir la compétitivité et l'attractivité du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, adopté par le Conseil le 30 avril 2020. Les mesures en transport collectif contenues dans le document intitulé « Proposition d'action priorisée en transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal » adoptée par le Conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain lors de sa séance du 1er mai 2020 et de transmettre le tout au gouvernement du Québec à l'attention du ministère des Transports. Alors, j'aimerais, s'il y a bien sûr des tours de parole, des questions, je pense... J'en fais la proposition. Merci, Chantal, je garde ça en mémoire. Il y a une main levée de Sylvie. Et s'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole, je vous invite à aller dans le petit onglet en haut à droite où vous pouvez inscrire, lever votre main, d'accord? Alors, Sylvie. Oui, Madame la Présidente, j'aimerais faire une proposition parce que je préférais qu'on fasse deux propositions plutôt qu'une seule, soit celle de déposer les mesures pour maintenir la compétitivité et l'attractivité du territoire de la CMM telle que vue au CA d'hier, et dans un deuxième temps, faire un sommaire qui viendrait dire l'intégration des mesures de transport collectif adoptées à la majorité et non pas à l'unanimité de ce matin, s'il vous plaît. Donc, juste pour bien comprendre, vous voulez surtout qu'on inscrive à la majorité dans la proposition? Non, je veux qu'on puisse se prononcer sur les deux séparément parce que tant qu'à moi, les mesures pour maintenir la compétitivité et l'attractivité proposée par la CMM, c'est une chose. Et le plan de relance transmise par la RTM, c'est une autre chose. Est-ce que vous avez un propos, un appuyeur? Oui, moi, Marc Demers. Marc Demers, parfait. J'ai une tour de parole de Chantal et je vais en prendre un après. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la main. OK. Alors, Chantal, je te donne la parole. Oui, allô? Oui, Chantal, est-ce que tu nous as... Oui, désolée, j'avais fermé le micro. Alors, ça fait déjà plusieurs fois qu'on débat de ces questions-là, à la fois à l'exécutif, encore hier au conseil d'administration et ce matin à la RTM. Alors, moi, vous connaissez mon point de vue, je peux le réitérer, mais la couronne nord, on connaît nos projets. Et dans le fond, depuis vendredi dernier, le dernier exécutif qu'on a eu à la CMM, on a pu travailler, dans le fond, oui, en accéléré avec la RTM. Et nos OPTC, en l'occurrence pour la couronne nord, c'est EXO, justement pour faire préciser des projets et même en rajouter, mais des projets, bien sûr, qui tardent dans les conditions et les critères de ce que doit être un plan de relance. Et je souhaiterais, Madame la Présidente, qu'on puisse accélérer le processus là, pour pouvoir refaire le débat que nous avons eu à maintes reprises. Et vous pouvez compter sur mon appui. J'aimerais en faire la proposition.
Merci beaucoup, Chantal. Pour ma part, je suis en opposition avec la proposition de Mme Parent. Vous savez, hier, quand on était à la CMM, la demande qui a été faite de ne pas intégrer tout de suite la position de la RTM, les recommandations de la RTM, c'était dans le but de donner tout l'espace nécessaire à la RTM qui, elle, est l'autorité. Donc, c'est elle qui légifère ou du moins qui s'occupe des questions en matière de transport collectif. Requête à laquelle j'ai adhéré, nous avons adhéré, de dire, bien, écoutez, on va laisser le processus se faire en bonne et due forme. Et là, le processus s'est fait en bonne et due forme. Et moi, je ne suis pas confortable que la position qui a été prise à l'RTM et qui est très clairement dite, soit dit en passant, je pense qu'on peut le mentionner, qu'il y a eu au sein du conseil d'administration de la RTM deux dissidences, et c'est tout à fait correct. Mais pour moi, le processus de la RTM est maintenant clos et on le ramène au sein de la CMM. Et hier, il avait été dit qu'on allait, ça allait faire partir d'un tout. Alors, je ne suis pas du tout confortable de scinder les deux. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui souhaitent s'exprimer sur la question. Monsieur Demers. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, il y a eu des discussions ce matin et hier, et il y a eu des malaises exprimés. Au niveau du projet de la RTM, la dernière discussion que j'ai eue il y a quelques minutes avec Monsieur Chablaise, il est très clair que le plan de relance du gouvernement est en trois phases. La phase 1 qui est dans la prochaine année, la phase 2 et 3 qui est subséquente. Et là, on fait un plan où est-ce qu'on met tout dans le même panier et d'une façon assez précipitée. Et je peux vous dire que ça fait plusieurs années ou ce qu'on demande à l'ARPM d'avoir du temps d'analyser et qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on vote, qu'on n'est pas sûr sur quoi qu'on vote parce qu'on n'a pas eu le temps de l'analyser. Alors, ce qu'on avait demandé, c'est que de se limiter au projet qui était dans le PQI et j'ai donné deux exemples qui concernaient Laval, mais il y en a d'autres. Une qui est un projet sur le boulevard des Laurentides qui nécessitait plusieurs expropriations, dont évidemment les citoyens, l'émotion qui vient avec les expropriations puis tout ça, et qui ne pourra pas être réalisé à court terme. On l'a exclu et l'autre, évidemment, c'est un autre qui concerne Laval et ce qu'on dit pour évaluer la ligne orange, c'est au PQI. Après vérification, il n'y a pas de ligne au PQI, mais on va se servir de ce qui apparaît dans un mandat qui est strictement financier donné à la caisse de dépôt d'évaluer lequel des deux moyens de transport qui serait le mieux, soit le REM ou soit la ligne de métro orange prolongée jusqu'à Laval. Alors, encore là, à très court terme, moi, j'ai un inconfort total et je ne peux pas aller voter à l'encontre de l'orientation que mon conseil municipal a pris sur ces sujets-là. Et je vous dirais même l'orientation qu'on a pris au forum sur la mobilité, tout le monde ensemble. Alors, c'est pour ça que j'appuie de scinder les deux. Et que je suis d'accord avec Mme Plante que c'est deux sujets distincts et qu'on doit les traiter séparément. Merci. Merci, M. Demers, mais j'aimerais quand même préciser que je ne suis pas en faveur de scinder la proposition, la résolution. Je veux qu'on soit bien clair. Il y a M. Danfous qui veut prendre la parole et Sylvie Parent. Martin, est-ce que tu nous entends? OK, bon, excuse-moi. Valérie, en fait, là, je ne veux pas rentrer dans un détail de procédurite, mais c'est parce que là, on a un projet de proposition. Madame Parent souhaite un amendement qui est appuyé par M. Demers. Donc, dans un premier temps, habituellement, puis là, je voudrais que Massimo valide, on voterait sur l'amendement. Si l'amendement de scinder la résolution ne passe pas, on reviendrait donc
à la proposition principale. Il faut juste s'entendre sur la procédure pour être sûr que qu'on comprenne tous bien pourquoi on va voter. Et en finalité, je suis d'accord avec Mme Plante. Moi non plus, je ne souhaite pas scinder, mais ça a été amendé et appuyé. Il faudrait donc voter sur l'amendement. Si ça ne passe pas, on reviendrait à la proposition principale. Merci. Merci, M. Danfous. Massimo? En fait, je vais demander à Maître Essayeur de répondre, Mme la Présidente, pour assurer le bon fonctionnement du Conseil. Effectivement, si tout le monde a dit, on peut passer au vote sur l'amendement. Et si l'amendement passe, bien là, on aurait deux votes. Sinon, on revient à la proposition principale qui est celle que vous avez déjà lue, Mme la Présidente. Parfait. Alors, à ce moment-là, je sais que Sylvie, tu as la main levée. Est-ce que c'est sur l'amendement ou c'est sur la proposition initiale? Oui? Donc, j'ai le droit de parole. C'est juste pour que tout le monde comprenne bien mon intention. C'est que parce que si vous n'acceptez pas qu'il y ait que les deux projets soient scindés, c'est comme si vous m'obligez à voter pour la moitié de cette résolution-là avec laquelle je ne suis pas en accord parce que je ne suis pas à l'aise. Donc, c'est comme si vous m'obligez à dire soit non au plan de la CMM avec lequel j'adhère très bien, alors que dans l'autre, je n'adhère pas. Donc, si vous n'acceptez pas de scinder, c'est comme si vous m'obligez à faire un choix qui ne devrait pas exister à ce stade-ci parce que ce sont deux entités qui ont fait des propositions séparément, parce que c'est deux conseils d'administration séparés sur lesquels on se prononce, j'en conviens, mais ça ne devrait pas faire partie d'une seule résolution puisque vous savez qu'il n'y a pas unanimité dans ce dossier-là. Merci d'en prendre acte. Merci. Alors, Maître Sia, comme nous sommes au téléphone, comment voulez-vous fonctionner pour le vote? On va appeler un vote nominal, donc on va demander à chacun d'exercer son droit de vote. Peut-être en disant d'abord ceux qui appuient la proposition de modification de Mme Parent, on va demander à ceux qui sont en faveur de l'amendement de se prononcer. Et puis, si nécessaire, on demandera à ceux qui l'opposent de prendre la parole par la suite. En commençant par la présidente. Oui. Alors, l'amendement proposé par Mme Parent et appuyé par M. Demers, contre. Alors, Monsieur Céa. Peut-être nommer les noms, s'il vous plaît. Ça va faciliter le processus. Donc, on va appeler d'abord les membres de l'exécutif, Monsieur. Est-ce qu'on m'a appelé moi? C'est pour Monsieur Doré. Doré, donc contre. Monsieur Ouellet. Contre. Madame Vodanovic. Contre. Mme Parent et M. Demers se sont manifestés déjà, donc on va passer aux membres du Conseil. Non, excusez-moi, Mme Deschamps. Alors, contre. M. Danfous. Contre. Donc, on passe ensuite aux membres du Conseil, aux membres de l'exécutif. Alors, M. Baudry. Contre. Madame Miron. Contre. Monsieur Normand. Contre. Madame Popeanu. Contre. Monsieur Rouleau. Contre. Monsieur Marinacci. Contre. Monsieur Limoges. Contre.
Monsieur Pilon? Contre. Monsieur Langlois? Madame Dib? Pour. Monsieur Bradard? Pour. Monsieur Corriveau? Entre. Monsieur Murray? Pour. Monsieur Perrault? Pour. Est-ce que Monsieur Massalet est en ligne? Non. Madame Gostin n'est pas là non plus. Monsieur Tremblay. Contre. Monsieur Rapana, excusez. Contre. Madame Michaud? Contre. Est-ce qu'il y en a qui ne se sont pas prononcés encore? Donc, la motion est défaite, alors il n'y aura pas d'amendement. Merci beaucoup, Maître Féa. Alors, ça nous amène sur la résolution principale. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires qui n'ont pas été entendus? Je ne vois pas. Attendez. Oups, excusez-moi tout le monde. Non, donc j'ai pas de questions. Alors à ce moment-là, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la motion, la résolution principale. J'en fais la proposition. J'appuie. Madame Deschamps comme proposeur et comme appuyeur. Monsieur Limoges. Monsieur Limoges, parfait. Alors, oui? Madame la Présidente, je demanderai le vote, s'il vous plaît. Ah, parfait, d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voter différemment de... Ah ben oui, c'est vrai. Mais vous savez quoi? Par exemple, je veux juste dire quelque chose. On a eu un peu la même situation à la RTM. Je suis quand même... on va dire que c'est peut-être la technologie, mais je voudrais quand même dire qu'on vient de passer la motion et là, vous demandez le vote. Mais on va... Maître C, est-ce qu'on peut toujours le faire? Oui, là, c'est, là on vote sur la motion principale. D'accord. Alors, c'est un vote qui est différent, est-ce... effectivement. Madame la Présidente, est-ce que vous me permettez, c'est Guillaume Tremblay, j'aurais un petit mot oui. à dire. Oui. Je voudrais juste spécifier une chose. Pour avoir participé au forum de Laval, je peux vous dire, parce que tantôt, il y a quelqu'un qui a pris le pôle en disant que plusieurs, il aurait peut-être aimé avoir plus de choses au niveau de la Couronne-Nord. Moi, je peux vous dire, pour avoir participé à ce forum-là, je trouve qu'on en a pas mal beaucoup, en tout cas pour notre coin. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tremblay. Alors, pour il y a M. Brodeur qui avait demandé le vote sur la motion principale. Alors, je vais demander à Maître Céa de refaire l'exercice. Oui, alors, Madame la Présidente, donc on vote sur la proposition qui vous a été envoyée, donc la résolution qui en version projet. Alors, on va commencer avec vous, Madame la Présidente. Êtes-vous alors, pour? C'est pour. Parfait. Monsieur Baudry. Pour. Monsieur Baudry, je m'excuse, est-ce que tantôt vous avez voté? Oui, j'ai voté. Ah, je n'avais pas entendu, je pense qu'il y avait manqué. Parfait, merci. Oui, j'ai voté. Monsieur Brodeur.
Contre. Monsieur Corriveau. Pour. Monsieur Danfousse. Pour. Monsieur Demers. Contre. Madame Deschamps. Pour. Madame Michaud. Pour. Madame Miron. Pour. Monsieur Murray. Contre. Monsieur Normand. Pour. Monsieur Ouellet. Pour. Madame Parent. Contre. Madame Dib. Contre. Monsieur Doré. Pour. Monsieur Langlois. Contre. Contre. Oui. Monsieur Marinacci. Pour. Monsieur Perrault. Contre. Monsieur Pilon. Pour. Madame Popiano. Pour. Monsieur Rapana. Pour. Merci. Monsieur Rouleau. Pour. Monsieur Tremblay. Pour. Madame Vodanovic. Madame Vodanovic, oui, j'ai pas entendu. Merci. Monsieur Charon, monsieur n'est pas là. Madame Gosselin n'est pas là. Monsieur Massalet n'est pas là. Monsieur Demers. Monsieur Demers a déjà voté contre, mais il peut voter deux fois. Comptez les juste une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vote contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maître C, je n'ai pas été appelé. C'est monsieur Normand? Non, c'est monsieur Limoges. Non, monsieur Limoges, pardon. Alors, vote monsieur Limoges? Pour. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Donc, j'ai 19 votes pour et 7 votes contre. Alors, la résolution est adoptée à la majorité. Merci beaucoup, maître C.A. C'est ce qui met fin à l'ordre du jour. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de semaine.